suis tellement heureuse. Catnap, acceptes-tu d'épouser Kittynap? Je le veux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas commandé d'effets spéciaux. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Acceptes-tu d'épouser Catnap? Je le veux. Hein? Où tu vas? Oh non! Oh, quel cauchemar! Je vais aiguiser mes griffes. Il est quelle heure? Plus qu'une heure avant le mariage. Je dois vite me préparer. Catnap! Je serai rapide. Je dois vite décider quoi porter. Kittynap, aide-moi à attacher ma cravate. J'y arrive pas, s'il te plaît. Une cravate? Okay. Bien sûr, pas de problème. J'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. Oh, désolée. Peut-être que je vais le faire moi-même. Tu as une marque sur ton cou à cause de ta cravate, comme dans mon rêve. Les gars, je crois que mon rêve est en train de se réaliser. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de ce rêve. Chérie, dépêche-toi, on va être en retard. J'ai l'impression que... Reste concentré, j'y vais. Qui est là? C'est le livreur. Un pourboire. Ok, tiens. Le bouquet de mariage. Et mon rouge à lèvres qui a coulé, comme dans mon rêve. Ton bouquet. On y va, on est en retard. Allez, dépêche. Quelle minute? Allô? Je suis en danger. En danger, compris. J'arrive tout de suite. Super. T'es prête? Oui. C'est incroyable, ça arrive enfin. Oh non, des chatons sacrés. Je suis tellement heureuse. Catnap, acceptes-tu d'épouser Kittynap? Je le veux. Quoi? Tout se passe comme dans mon rêve. Non, non, non. Qu'est-ce que t'attends? Allez. Acceptes-tu d'épouser Catnap? Je le veux. Hein? Où il est? Oh, oh non. Qui est en danger ici? Tu vas devoir payer un supplément pour l'enterrement. Elle a été tuée à son propre mariage. Mon amour. Non. Oh, on reçoit un signal. Tu as entendu quelque chose? Non? Ça devait être mon imagination. Je vous le demande pour la dernière fois. Qui a fait ça? C'est moi. Délicieux. Bon, revenons-en à nos moutons. Qui a tué Kittynap? Ouf, je peux y aller. Je sais qui c'était. C'était... Qui ça? J'entends rien. J'ai dit... Arrête, Dog Day. Oups, tu veux un smoothie? Attends, c'était... Oh, oh, c'est tellement bon. Qui c'était? C'était... Dog Day. C'était pas moi, c'était eux. Super film. C'est une scène de crime, pas un cinéma. Tout le monde, partez. Je peux continuer à filmer? Tiens. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je serai pas loin. Maintenant, on va aller au fond des choses. Qui a fait ça? Oh, c'est... Dog Day. Pourquoi moi encore? Il a tué Kittynap. On a besoin d'un autre endroit pour l'interrogatoire. Super. Tu l'as clairement tué. Non, c'est pas moi. J'ai aucune raison de faire une chose pareille. On va régler ça tout de suite. Dis-nous ce que tu sais. Pas de problème. On était au mariage. Kittynap. Dog Day. Il est bizarre. Bon, je vais prendre un selfie souvenir. Tout le monde est en place. Trump food. Quoi? L'affaire est close, c'est toi. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vote contre Dog Day, c'est le tueur. Les gars, vous en pensez quoi? Dog Day est-il vraiment l'assassin? Laissez un commentaire. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Quand est-ce que la cérémonie va commencer? C'est mon premier jour aujourd'hui. De la nourriture, viens par ici. C'est parti. Enfin. Quoi? Ouh. Mais il n'y a plus rien. Oh, des encas. Je vais les chercher. Bonjour, Dog Day. Plus tard, plus tard. Mon selfie. Je suis pressée. Mes amitiés. Non. Ils ont tous été mangés. Il reste plus rien. Qu'est-ce que Berug fait? Je nettoie la scène de crime. Bizarre. Stop. Je vais les prendre moi-même. Super. Il est temps de manger un bout. Tant que personne ne me voit.
Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est à cause des cauchemars. Quelle horreur! Je crois qu'il est temps pour moi d'y aller. Attends, je t'ai pas tout dit. D'abord, rien ne se passe comme prévu. Une minute. Tiens, bois un peu d'eau et calme-toi. Je voulais que ce soit parfait. Tout va bien se passer. Ah, bien joué. Où est la nourriture? Oh non, et comment je vais manger ça? C'est quoi cette odeur? Oh, de la fumée? Il est temps de filer d'ici. Je dirai d'affaire. Ah, apparemment, la cérémonie risque pas de commencer de suite. Je vais courir au magasin. Je suis revenue et elle était déjà par terre. Eh bien, il a un alibi. Je dois réfléchir. Hey! C'est pas moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a déchiré la photo de Catnap et de Kittynap. On devrait la laisser s'expliquer. Si c'est le cas, t'en mêle pas. J'attends des explications. Je vais tout vous raconter. C'est pas possible! Salut! Oh, c'est toi, Bobby! Je suis tellement inquiète! J'ai fait un rêve où j'étais tuée! Une minute! What? Bois, calme-toi, tu te sentiras mieux! Ouf, t'es tellement attentionnée! Il faut que j'y aille! Un cadeau de mariage? Ils sont si gros! Et le mien est tout petit, ça craint! J'ai une idée! Qui a fait le plus gros cadeau ici? Huggy Wuggy? Maintenant, il est de la part de Bobby! Attends! Leur photo de groupe! Qu'est-ce que je fais? Maintenant, c'est moi! Oh, ça va pas le faire! Bon, je dois m'en débarrasser! Est-ce que quelqu'un regarde? Vite, je vais faire ça discrètement! Oh non, je l'ai déchiré! Oups! Je vais me débarrasser des preuves! Personne doit voir ça! Voilà ce qui s'est passé! Une autre suspecte rayée de la liste. Alors, qui est le tueur? Ouf, je t'ai enfin trouvé. C'est pas le bon moment. Pas le bon moment? Tiens, prends ton argent. Oh, attends, oups, c'est pas ce que vous pensez. Le tueur! Quel sale type! Donc, tu es le tueur! Tu as été payé pour ça! Et si on partageait l'argent et que personne n'était le tueur? Oh, waouh, ça fait beaucoup de billets! Attends, quel argent? Tu es un criminel! Comment je pourrais être le tueur? Regardez, ça, c'est des vrais tueurs! Tu vois, j'ai pas de masque, pas d'armes! Oui, t'en as pas l'air! Mais d'où vient cet argent? C'était il y a bien longtemps! Bonjour, je suis agent d'assurance! Bonjour, je suis agent d'assurance! Voulez-vous assurer votre vie? Non! On n'est pas intéressé! D'accord, peut-être la prochaine fois. Une assurance? Je veux te rassurer. Bien sûr. Non. Non. Oh, vraiment, prends ça alors. Oh. Don't kill. Ouf, quelle horreur. Qu'est-ce que c'était que ça? Une vie en moins. L'agent d'assurance. Excuse-moi, on peut s'assurer maintenant? Hurra, il vous reste plus qu'à signer le contrat. C'est fait. Maintenant, vous avez assuré votre vie. Et moi? Bye bye! C'est super! C'est comme ça que ça s'est passé. Kittynap n'avait plus qu'une seule vie. Quelle histoire déchirante! Si Catnap n'est pas coupable, alors qui est le tueur? Oh, regardez, cet homme était là-bas, non? Oui, c'est vrai, il était là, je me souviens de lui. Je l'ai pas aimé depuis le début. Suivez-moi! Hé, hey, vous m'avez oublié! Oh. À mon tour! Échec et mat, j'ai encore gagné! J'en ai marre! À plus tard! Raconte-nous tout, maintenant! D'accord, je vais tout vous dire! Je sais que c'est toi qui l'as fait! Elle était encore si jeune! Très bien, écoutez-moi! J'ai pris la glace d'une petite fille et elle s'est mise à pleurer. Puis, pour m'amuser, j'ai repeint un panneau avec de la peinture en spray. Viens te confesser. J'ai vu des chats se parler. Quel plaisantin celui-là. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je comprends pas. Voilà comment s'est déroulée ma journée, mais le dites à personne. On ne parle pas de ça, je parlais de Kittynap. Oh, elle, je vais tout vous dire maintenant. Bonjour! Pourquoi tu trembles?
Tu vois, j'ai rêvé que je me faisais tuer. La pauvre, un instant. Nom d'une souris céleste. Merci, tiens, bois cette potion apaisante. C'est de là où que t'as pris cette eau? Je t'attendrai à l'hôtel. Je lui ai donné de l'herbe à chat. De l'herbe à chat? J'en ai pris aussi. Et toi? Moi aussi. Et moi? Quoi? Maintenant, tout s'explique. Elle est toujours allongée. On va la ramener à la vie. Tiens, Kitty Nap. Oh, une souris. C'est à cause de l'herbe à chat. On t'en a trop donné. Hourra! Je suis en vie. Du coup, vous êtes tous coupables. Retourne à l'école des détectives, espèce de naze. Quoi? Mais j'ai résolu l'affaire. Peu importe. Au moins, je me suis bien amusée. Pourquoi vous restez tous plantés là? Lynx recommence. C'est ce qu'il peut. Lynx, la plus dangereuse des vampires. Quelle bande de peureux. C'est pas trop marrant? Celui qui tombe a perdu. Tiens, un prix de consolation. Super. Maintenant, voilà ma récompense bien méritée. Mon repas tant attendu. Je vais manger ton cerveau à la cuillère. Craignez-moi. Un tas de mouchoirs. Est-ce que le vent a soufflé jusqu'ici? Arrêtez. La Moby, la plus grosse loseuse de l'école. Merci, monsieur le principal. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez. Quoi? Qui c'est? Quel loser! C'est inacceptable. Je suis votre principal. La seule personne normale de l'école. Tenez, pleurez pas. Merci, ça me fait plaisir. Oh oh. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Principal? Oh non! Une morsure va tout arranger. T'as pas intérêt. Désolée, j'ai juste faim. On doit découvrir ce qui s'est passé. La détective zombie est là. Et aucun indice ne m'échappera. Oh, chérie! Pourquoi? C'est bon. Premier indice, le corps du principal. Aïe! Il y a une barrière ici ou quoi? C'est toi? C'est du sel. J'espère que ça fera pas de mal aux morts. Bon, c'est pas grave. Au moins, mes cheveux sont en parfait état, pas vrai? Eh, donne-moi ça! J'en ai besoin pour l'enquête. Voyons, est-ce que le principal est vivant et en forme en plus? Stop! Je dois m'en servir pour autre chose. Est-ce qu'il respire? Il a l'air d'être dans le brouillard. Il est dans le coma. Compris. C'est noté. On va cacher le corps jusqu'à la fin de l'enquête. Quel corps? Montrez-moi. Mon amour, pour qui tu m'as quitté? Miss Lily, la police est là. Quoi? Les filles, c'est quoi ces têtes, hein? Oh non, cachez-vous. Je peux vous offrir quelque chose? Et voilà, j'ai encore fait fuir tout le monde. Je pensais qu'on deviendrait potes. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un dernier truc à faire. Je peux plus me retenir. Silence, Lynx. C'est un donut? J'ai cru qu'il allait nous tirer dessus. Pourquoi tu nous as fait peur? Qui est là? À vous, mortel. Reculez. Arrête. On veut juste te parler. Et c'est reparti. Oh, vraiment, hein? T'es en état d'arrestation. Quoi? Tu l'as cherché. Laisse-moi tranquille et reprends ça. C'est l'heure du goûter. C'est quoi son problème? Trouve le coupable. Faites-moi voir. J'ai déjà vu ça avant. Comment se débarrasser du principal? Très suspect. C'est ton livre? Ou le tien? Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un cache quelque chose. C'est peut-être toi? Je comprends pas de quoi tu parles. Fais pas l'idiote. Non, c'est pas lui en fait. Non. Où est-ce que tu devrais le chercher? J'en sais rien, moi. Ça, on sait. Il est là. Lizzie a disparu. C'est impossible. C'est terrible. Oh non. Quelle journée! Ça vous dérange si je m'allonge un instant? Il sent plus mauvais qu'un mort. Iou! J'ai raté quelque chose? Beurre! Ah, c'est le gars de la photo. Affaire résolue. Passez une bonne journée et bonne chance. Il sert à rien, celui-là. Lynx, c'est bon de te revoir. Bon appétit à moi. Pas un geste. Mais Lizzie, on mange pas sur les lieux du crime. Ce sera plus sûr comme ça. Et perturbe plus l'enquête. Hé, hey, j'ai rien à voir avec ça. Bon travail. Quelle heure il est? Oh, je dois vous laisser maintenant. Un peu de sucre. J'adore le thé. Et c'est encore meilleur en écoutant des tubes.
On n'a jamais trop de sucre après tout. Qu'est-ce que c'est que cette musique horrible? C'est insupportable. Tiki Tiki Slim, ça suffit. Ah, lâche-moi. Tu es encore là? Pourquoi tu chantes pas? Oh, c'est maintenant ou jamais. Lizzie lui a fait prendre cher. J'ai un peu de peine pour lui. Je voudrais pas croiser son chemin. Je vais attendre ici que ce soit terminé. Désolée, je vais bien. On dirait pas. Linz? Ok, tout a commencé. Vraiment, salut Linz. Vive les vampires. Je suis officier de police. Et un rabat-joie. Salut Linz, maintenant je suis l'une des vôtres. Tu rigoles? D'accord, mais tombe surtout pas, hein? Pourquoi est-ce que ça tourne comme ça? Waouh! Ah! C'est toi? Règle numéro 3. On ne mange pas les élèves. Couvre-moi! Je me sens pas bien. Tu l'auras cherché. Doucement, miss. Là, je suis pas d'accord. Désolée, c'est lui qui a commencé. Aïe! Mais pourquoi? Car tu nous avais rien dit plus tôt. T'es la suspecte numéro 1. C'était peut-être toi? En effet. Bah, bah, bah! Tu es doublement soupçonnée maintenant. Attendez, je vous ai dit que j'étais pas coupable. Croyez-moi, c'est pas très convaincant. Très bien, alors je vais continuer. Te voilà. Tu te caches, hein? J'arrive. Attends-moi. J'ai assez répété. Coucou, toi! Je vais me venger maintenant. C'est parti. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, yo, suceur de sang! Vous voulez être aussi cool que moi? Alors répétez après moi. Cool! Je veux essayer aussi ça. Il est temps de réaliser mon rêve. Je me demande ce que ça va donner. Excellent! Voyons voir. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Une souris? On dirait que c'était pas la bonne potion. Plus besoin de les commander en ligne. Ma jolie petite boule de poils. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est fichu! Je deviendrai jamais un vampire. T'en fais pas, tu vas y arriver. Attends, je vais t'aider. On va commencer par le maquillage. Ferme les yeux. Super! Tu as l'air d'un vrai vampire. Waouh! T'as fait du bon travail, merci. On va se promener? C'est vraiment sympa ici. On se sent tellement bien avec toi, c'est vrai. Bon appétit. Je suis au régime, mais ça a l'air diète. J'aime quand c'est épicé. Arrête ou je vais éternuer. Permets-moi de te raccompagner, ma chère. Haha! Je vous ai attrapé. Essaye de nous attraper. Il m'échappe tout le temps. Ha ha! Il est trop lent pour notre danse. Tu sais que tout ça, c'est mépris. T'es merveilleux. Toi aussi. Hé, attention. Je vais lui donner une bonne leçon. Linz, je veux t'offrir mon cœur. C'est adorable. Je te donnerais bien ma main aussi, mais c'est pas très hygiénique. Je la garderai précieusement pour toujours. Attends un peu. Je crois que j'ai remarqué quelque chose. Linz, je veux t'offrir mon cœur. Quelle saleté. Si je peux pas l'avoir, alors personne l'aura. Je le savais. C'est elle, notre suspecte. Quoi? Je l'aimais. C'est ça, ton mobile. Calmez-vous, je vais régler ça rapidement, mais je suis un peu perdue. Quoi? C'est bon, je suis immobilisée. C'était toi? Quel imbécile. Bouge de là. Voilà qui on doit interroger. J'ai rien fait. Prouve-le-nous d'abord. Et pas de hurlements. Voilà qui est mieux. Je suis à nouveau hors de soupçon. J'ai raté quelque chose? Alors, c'était elle? Enlevez-moi ça. Quelle bande d'idiots. Pourquoi vous avez rien vu? Maintenant, crache le morceau. D'accord. Voilà ce qui s'est passé. N'oubliez pas, ce sera dans l'examen. Aïe! Où je suis? Vous m'écoutez? Très bien. Je suis venue dans cette école rien que pour toi, mon amour. Bonjour tout le monde, j'ai une annonce importante à faire. Ha! Regardez-le, il est tellement sérieux. Hé, hey, vous pouvez arrêter de déranger le cours. Quoi? Nous dis pas de nous taire, loseuse. Vous m'écoutez? Je suis invisible ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ça tout de suite. Vous voyez pas que le principal est dans la classe? Montrez-lui un peu de respect, je vous en prie, continuez. Merci beaucoup. Où on en était? Cette année, il est tellement mignon quand il est nerveux. On va organiser le concours de la plus belle monstre de l'école.
Oh, monsieur le principal. Je me demande s'il est là. Voyons voir. Pourquoi il a besoin de ça? Je sais exactement quoi faire. Enfin, maintenant je vais pouvoir m'occuper de lui. Hé, regarde pas. Linz, ce cœur est pour toi. Quoi? C'est pas possible. Comment il peut me faire ça? Je tolérerai pas une concurrente. Je te tiens. T'es en état d'arrestation. Mais je lui ferai jamais de mal. J'ai résolu l'affaire. Coupable. Mais pourquoi? Bouge de là, ma pauvre. Il t'a brisé le cœur. J'aurais fait la même chose. Alors, laissez-moi continuer. Personne d'autre que moi t'aura. Tire pas. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau bénite. Mais c'est pas pour toi. Allô? Il y a eu une tentative d'assassinat. Popo! Oh, attends une seconde. Boum! Même une matraque peut tirer. Tu sais? Quoi? J'ai plus de balles? C'est pas grave. Laisse-moi tranquille. D'accord? Trop bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Du coup, c'était pas moi. Oh, vous organisez une fête costumée. Laissez-moi prendre une photo de vous. D'accord. Cheese! Merveilleux. Changez de position. Comme ça. Hé, quel chef-d'œuvre! Je vais en prendre quelques autres. Souriez. Parfait. Montre-moi les photos. Tiens. Vous voulez les voir? Elles rendent super. Oh, regardez ça. Cette photo n'a pas été prise ici. Vite! Qu'est-ce que c'est? C'est une photo de la scène de crime. On dirait qu'on a une intruse parmi nous. Vous avez donc enfin tout compris. J'avais tout prévu depuis le début. J'ai fait semblant d'être une gentille fille pour dissiper tous les soupçons qui pesaient sur moi. Regardez qui j'ai amené. Essayez de l'effrayer. Montrez à quel point vous êtes monstrueux. Je vais essayer. Qu'est-ce que tu en dis, gamine? Bouh! Bon travail, Lizzie. Je te mets un A. C'était fastoche. Je veux ma maman. Linz, tu veux essayer? Facile. Un vampire! Waouh, beau résultat! On dirait qu'on a un nouveau record. Excellent, Linz. A plus. Qui veut essayer maintenant? Casey? Bou, bou! Elle est marrante. Je l'aime bien. T'es censée avoir peur. C'est trop drôle. Désolée, Casey, mais c'est un dé. On n'est pas là pour faire rire les enfants. Quelle naze! Non, non, arrêtez! Et si elle était contagieuse? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Bonjour les élèves, j'ai une annonce importante à faire. Oh, regardez-moi ce moustachu, il est tellement sérieux. Ha ha ha! Hé, arrêtez, j'entends rien. Je te dérange? Me dis pas de me taire, loseuse. Hé, vous m'écoutez ou pas? Vous voulez entendre ce que j'ai à dire? Oh, pas ça! Vous êtes aveugle ou quoi? Désolée, mademoiselle Lily. Je préfère ça. Continuez, monsieur le principal. Merci. Alors, notre école... prend ça, l'intello. C'est à cause de toi. J'en ai marre de vous. Plus personne se moquera de moi. Ah, voilà ce qui s'est passé. Sauf qui peut. Alors, je fais assez peur maintenant. N'approche pas. Pitié, épargne-nous. Trop tard. Je t'ai rien fait, laisse-moi tranquille. C'était donc le but de ma leçon. Maintenant, tout le monde a peur d'elle. Bravo, c'était magnifique. T'es inégalable. Je change ta note en A+. Bravo, t'es la fierté de notre école. Ouais! Linz, ça suffit. Je peux au moins en manger un? Je suis fière de toi. Hé, hey, vous êtes vraiment nuls. Et le principal, alors? Je vais aller le voir. Tu m'as attendu? Je vais te mordre. Hein? Je suis un vampire? Incroyable! Mais j'ai toujours faim. Qu'est-ce que je vais manger? Oh! Super déguisement. Personne ne devinera que je suis un vampire. Et voilà mon repas. Du sang frais. Exactement ce qu'il me faut. Quittez-toi. Ça devait être mon imagination. Peu importe. Quel bon cocktail! Quelqu'un arrive. Damon, qu'est-ce que tu fabriques? Bref, voici notre nouvelle infirmière. Elle s'appelle Linz. Salut! Hey, je préfère ça. Hey, frérot. Tu boiras même pas une goutte de sang. Tu veux parier que j'en boirai plus que toi? Tu vas perdre. C'est réglé. Prépare-toi à échouer. Ce sera ta défaite dans tes rêves.
On y est presque. Vous inquiétez pas, Miss Ellie, on va bien prendre soin de vous. Ah, c'est maintenant ou jamais. Ce sera encore plus facile que je le pensais. C'est l'heure de manger. T'as été trop lent, Damon. Regardez-la, mais c'est pas encore fini. Considère ça juste comme une longueur d'avance. Régale-toi bien. Pas un seul patient. Prends-en de la graine. Viens chez moi, j'ai une meilleure prix. Stop, il va venir avec moi. J'offre une remise de 20%. On fait monter les enchères. Oh, je suis trop perdue. Qui je devrais choisir? Massage de la tête gratuit inclus, tandis quoi? Oh, carrément! Dans ce cas, suis-moi. Tu cherches les ennuis. Quand le médecin en chef le découvrira, tu seras fichu. Bien, bien. J'ai besoin de preuves solides. Et voilà, je te tiens. Lynx torture ses patients. De quoi tu parles? Regarde par toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Mais je l'ai vu! Ça suffit. Mais tu comprends pas. Je mentais pas. Ça a pas marché, Damon. Je suis toujours en tête. Oh, vraiment? Souviens-toi de ça. Je t'oublierai pas. J'ai rien d'autre que des ennuis avec cette Lynx. Ah, elle recommence. Tout va bien se passer. On va te faire passer une radio. Tu n'y arriveras pas cette fois. C'est une procédure standard. Je t'en prie, va derrière le paravent. Ah, encore une autre. C'est le timing parfait. Maintenant, tu pourras pas duper le docteur. C'est du génie. Elle va forcément être virée maintenant. Docteur, Lynx, c'est pas celle qu'elle prétend être. Regarde par toi-même. Quoi? Ah, mes yeux! Damon, t'essayais de me rendre aveugle ou quoi? Espèce d'idiot. Quoi? Comment ça? Oh, cette Lynx! Je finirai par t'avoir. Hey, t'as perdu quelque chose? Comme ta victoire, peut-être? Elle est tout simplement insupportable. Tu perds rien pour attendre. C'est pas possible! Damon, j'en ai assez de tes histoires stupides. Mais c'est vraiment un vampire! Tu vas me dire que les loups-garous existent aussi? Salut! Hey, mon toit! Regarde ce que j'ai là. C'est pour moi? Oui, mais d'abord, j'ai besoin d'une petite faveur de ta part. Tu l'auras une fois que tu te seras occupé d'elle. Son bureau est juste là. Je peux t'aider? C'est toi que je cherche. Pfiou! Tu te frottes à la mauvaise personne. C'est ton toutou? Quel bon garçon! Quoi? Sale traître! Oh, et merci pour l'animal de compagnie. Tu veux jouer avec nous? Oh non! Une balle! Non! Oh! Quel cauchemar! Oh, un casse-croûte! Hé, te faufile pas derrière moi comme ça! Mais je suis médecin, j'allais juste t'ausculter. Où t'as eu ça? C'est à moi? Va voir ailleurs si j'y suis. Où je pourrais trouver du sang? Mais oui, je sais! La banque du sang! Damon, c'est ça que tu cherches? Dégage d'ici, c'est à moi. Elle est insupportable. Attends, le docteur doit voir ça. Oh, t'es là! Est-ce que c'est cassé? Tu rates quelque chose d'important. Lynx se vole du sang. Tu pensais que je plaisantais, hein? Oh non! Où est-il passé? J'arrête pas de te le dire, c'est un vampire! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois partir d'ici et vite. Ah, t'es là! Damon? Le chasseur est arrivé. Toi? On dirait pas comme ça. Quoi? Vous avez vu une vieille photo, c'est mon frère, là. Tenez, jetez un œil. Oh, désolé. Alors, où sont les vampires? Je ferais mieux d'y aller. T'aimerais peut-être un peu d'ail avant? Bien, bien. On va tendre un piège à ces suceurs de sang. L'appât est en place. Aucun vampire ne peut résister à ça. Et ça, c'est au cas où il se transformerait en chauve-souris. Et voilà. Et ces bouquins sont inutiles, contrairement à de l'ail. Gare à vous, vampire. Je crois que je suis dans le pétrin. Il faut que j'ai l'air cool. Oh, tiens, encore elle. Oh, mon genou! T'as besoin d'aide? Laisse-moi regarder. Tu penses quoi de ça? Tu fais des miracles. Ma douleur a disparu. C'est pas tout. Tu croyais que j'avais oublié, hein? Je t'aime encore plus comme ça. Parfait. Il se doutera de rien. Regardez-moi ce vampire. Quel chef-d'œuvre! Je vais appeler le chasseur maintenant. Il est enfin parti. Quel imbécile. Merci pour le dessert, Damon. Et toi, tu peux te reposer. Encore un point pour moi.
Regarde, j'ai trouvé ce vampire, elle a failli me mordre. Laisse-moi voir. C'est bien des marques de morsure, beau travail. Quelle marque de morsure? Ok mon pote, j'y vais, à plus. Au moins une chose de réglée. Merci pour le cadeau, Damon. Je vais m'assurer que tu puisses plus te faufiler nulle part, sale chauve-souris. Tu cherches à ce qu'on te plante un pieu dans le cœur, toi. Retournez au travail, bande de fainéants. On doit l'opérer. Aïe, ça brûle! C'est en argent, ces trucs? Qu'est-ce que je vais faire de vous deux? Réanimez-la! Avec ça? Bon, très bien, dégagez! Ça n'a pas l'air de marcher. On doit l'opérer! Donc ça, ça va ici, et là. Et maintenant? Tout est en chinois. Le foie, voilà, et ça, ça ressemble à un cœur. Oh, ça rentre nickel. Parfait, on peut refermer. Doucement. Enfin. Miss, tu vas bien? Hello. Bon, c'est bon, l'opération est terminée. Oh, je crois que j'ai besoin de m'allonger. T'es en pierre ou quoi? Oh non, mes dents, pas mes crocs. Il faut absolument que je les recolle. Docteur, j'ai besoin de ton aide, c'est urgent. Mes dents sont tombées. Pitié! Du calme, t'es venu au bon endroit. Voyons voir. Waouh, ça craint! Je vais réparer ça tout de suite. T'es comme neuf. Vraiment? Je peux jeter un œil? Tu m'as pris pour Bob l'éponge. C'est que les moules, faut les aiguiser. Oh, elles ont changé et maintenant j'ai... Oh, tu te moques de moi? Haha, c'était toi. T'as tout compris. Regardez-moi ce petit morse. Allez, calme-toi, le chasseur arrive. Oh non, pas lui. Aïe, ma tête, mes crocs. Oh, c'est pile ce que je voulais. Vous m'avez manqué. Comment vous trouvez mes crocs, hein? J'aimerais passer un test sanguin. Oh, pas de souci. Ce sera pas plus douloureux qu'une piqûre de moustique. Aïe! C'était un vrai moustique, ça. Et voilà, voyons voir. Miss, t'es en parfaite santé. Maintenant, tu peux y aller. C'est frais. Mais j'ai une idée. Je vais le remettre dedans. Oh, c'est dégoûtant. Comment ils font pour manger ça? Ça devrait plaire à Damon. Hé, mon pote, tu peux vérifier ces globules rouges? Pourquoi tant de générosité? Par plaisir, j'ai pas bu une seule goutte aujourd'hui. Ah! Ah, ma gorge! Lequel je vais prendre? Banane ou myrtille? Oh! Délicieux. J'ai jamais rien goûté de tel de toute ma vie. Hé, c'est à moi! C'est à nous que tu parles. Ah! Des vampires! Quelle poule mouillée. À qui le dis-tu? Ah, t'es vraiment une amie, toi. Bien, bien. Aide-moi! Oh, comme c'est mignon. Bon, faisons vite. C'est un baillon. Tu veux un bonbon? Non, merci, je suis au régime. Comment c'est arrivé là, ce truc? Waouh, ça s'arrête jamais. Youpi! Merci, docteur. Arrête ce cire. Oui, des ballons. Tu peux plus t'échapper maintenant, hein? Qu'est-ce que c'était que ça? T'as aimé mon petit tour? Merci pour ton aide. Garde ça. T'es toujours là, toi? Je m'ennuie. Oh, je sais. Je vais appeler les filles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hé, Lins! Oui, oui, on arrive bientôt. Hé, hey, ça fait une éternité. Coucou, ma chère. Les filles, je m'ennuie à mourir. Je sais comment te remonter le moral. C'est juste génial. Qu'est-ce que c'est? Cachez-vous, vite. Lins, c'est quoi tout ce bruit? Signe ces papiers pour moi. C'était moins une. Tenez, madame. Bien, tu peux retourner travailler. Qu'est-ce que c'était? Désolée. Ouf, sors de là. Elle est partie. Attends, où est Marie? Aïe, Marie! Est-ce que ça va? Allez, sors la fiole de sang.
Je crois bien qu'il n'y en a plus, désolé, Lynx. Sérieusement? La poisse! J'ai une autre fiole, régale-toi! Merci, les amis! Qu'est-ce que je ferais sans vous? Hé, hey, Damon, regarde ce que j'ai là! Garde ça pour toi, je tomberai plus dans le panneau. C'était pas aromatisé à l'ail? Oups! Quel loser! Tu perds rien pour attendre! Oh! Mon dos! J'espère que personne n'a rien vu. C'est donc de là que vient toute cette poussière. Qu'est-ce que vous faites, bande de vauriens? Ça sert à quoi que je fasse le ménage ici, hein? Vous m'échapperez pas, espèce de voyou. Dégagez d'ici! Tout ça, c'est à cause de toi. J'ai que des problèmes par ta faute. Mais bien sûr! Je vais lui faire porter le chapeau. Quoi? Au feu! On doit vite sortir d'ici, courez! C'est le chaos! Hé, Lynx, t'aurais pas dû faire ça. Comment ça? Tu sais donc pas ce qu'on utilise pour éteindre les incendies ici, apparemment. Oh non! Ma peau, elle brûle! Ça fait trop mal, je brûle! Ouais! Oh, que la vie est bien faite! On doit vite sortir d'ici! Il est temps de revoir nos scores, Lynx. Ah! Un vampire! J'y crois pas! Damon, c'est pas drôle! C'est pas le moment, je suis en pause. Damon, lève-toi, t'as gagné, je suis désolée d'avoir été arrogante. Je voulais t'offrir ça. On fait la paix? Ok, la paix. Tu veux l'essayer? Avec plaisir. Je vais enfin pouvoir bien dormir. C'est sûr, très confort. Tu veux bien fermer le couvercle? C'est bon, je vais le faire moi-même. Encore mieux, je perds jamais. La fête est finie. Fais de beaux rêves, Damon. Qu'est-ce qui se passe? Hé, hey, laisse-moi sortir. Plus personne se mettra en travers de mon chemin maintenant. Hé, hey, les gars. Oui, miss? Comment on peut t'aider? Oh, de l'argent. Tiens. Enlevez-moi ça. Apportez-le à ce type-là. Compris, ça sera fait. Excellent. À trois, on le soulève. Wow, c'est lourd! Bienvenue à l'hôpital des vampires, où le sang est la clé de la guérison de tous les patients. Personne se mettra en travers de mon chemin. Fais de beaux rêves. Bye bye! Ah, voilà mon trésor. Attends, c'est quoi ce bruit? Doc? Qu'est-ce qui se passe ici? Où il est passé? Stop! J'ai oublié quelque chose. J'ai besoin d'un litre de B positif. Ah, voilà la clé de mon cœur de vampire. Je crois que c'est bon. Je dois juste pas oublier la clé. Où tu vas? Je t'aurai. Mais pour obtenir la clé, il faudra peut-être que je devienne un meilleur docteur. Je crois pouvoir y arriver. Je suis plutôt stylée dans cet uniforme. On va attendre encore longtemps. Ah, où est cette clé? Docteur, aide-nous s'il te plaît. Me touchez pas. On a attendu toute la journée. Examine ma main, allez. Silence, ça suffit. Venez dans mon bureau. Qui a eu cette idée? Docteur, je... Bla 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 bla. Ça me donne faim. Je peux pas résister. Et moi alors? Je suis là depuis ce matin. Si ça continue comme ça, je vais moi-même avoir besoin d'un médecin. Hé, doucement! Salut, Doc! Non, pas ça! L'instrument! Toutes mes excuses! Aïe, ça brûle! Prends-le! Première incision! Ça fait mal! C'est de l'argent? Je peux pas le toucher! Quoi? Quelle précision! Comment t'as fait ça? Désolée! Voilà, il est comme neuf! T'as perdu la tête? Et l'antiseptique alors? Stop! Passe-moi le sang! Oh, je peux m'en occuper! Aïe! Je vais le faire moi-même! Fermeture de l'incision. Oh, t'es plutôt douée. C'est du bon travail. Oh, je me sens si faible. Qu'est-ce qui va pas? Tes yeux sont bizarres. Tu dors pas assez? Arrête ça! Il est sensible. Je peux vérifier ton rythme cardiaque? C'est bizarre. Deux battements par minute? Et moi? Non! Je vais vérifier s'il respire toujours. Laisse-moi tranquille! Il parle, donc il respire forcément. Comment c'est possible? Et on le voit pas dans le miroir? Il a clairement besoin d'aide.
Suis-moi. Cette méthode a toujours fonctionné. T'es malade sans aucun doute, mon pote. Je dois prendre ta température. Comment t'arrives à tenir debout? On va examiner ta gorge. Ouvre grand. Arrête de bouger, dis juste... Ah. Ok, là tu pousses le bouchon. Ah. Chut. Tu ferais mieux de raconter ça à personne. Je le savais. Je suis super fan de vampires. Oh là 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 là, transforme-moi en vampire. Allez, juste une morsure, s'il te plaît. Je te mordrai pas. Encore une groupie. Je crois qu'il est temps de faire une pause. Pouf, quelle journée épuisante. C'est tellement pas confortable ici. Où est mon cercueil? Attends un peu. Peut-être qu'ici ce sera mieux. Ça va toujours pas. Pourquoi il n'y a pas de cercueil ici? Oh! C'est pas grave, ce placard fera l'affaire. T'inquiète pas. Respire juste profondément. Ça marche pas. Bois un peu d'eau, ça devrait aider. Allez. On doit trouver un autre moyen. Miss, enlève ta veste. Je vais chercher des médicaments. D'accord. Quoi encore? Pourquoi tu me réveilles? Oh, mon hoquet a disparu. Merci, docteur. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu rigoles, toi? Aïe! J'arrive pas à tourner la tête. Vous pouvez m'aider? Je m'occupe de lui. Ce sera encore plus facile que de voler des bonbons à un enfant. Ouch! Mon dos! J'aurais pas dû dormir sur cette table. Ah, voilà, ça va mieux. Merci, j'ai plus mal. T'es vraiment douée. Pourquoi il est parti? J'étais à deux doigts de le guérir. Désolée, je suis arrivée avant. Ah, elle commence vraiment à m'énerver. Tu peux m'aider? Bien sûr, assieds-toi. C'est quoi le problème? Ma jambe me démange énormément. Je sais pas quoi faire. C'est du bois, comment ça peut te gratter? T'as des termites? Tu te laves pas les jambes ou quoi? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donne-moi une minute. Voyons voir qui est là. Ouh, parfait! Je vais t'emprunter ça. Attends, fais pas ça! On dirait que c'est ta taille. Et voilà, Cendrillon. Je dois montrer ça aux autres. Tiens, un petit souvenir pour toi. J'ai toujours rien mangé. Faut absolument que je trouve du sang, mais où ça? Ces docteurs ont forcément une cachette quelque part. Je montrerai pas un tel trésor non plus si j'étais eux. Eh, hey, c'est ça que tu cherches? Du O positif! Pas question! Seulement après une petite morsure! C'est une blague? Non, je te l'ai déjà dit! C'est trop dur pour toi?